On se retrouve pour la box Le Boudoir du mois de octobre. On y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la box Le Boudoir du mois d'octobre. Comme vous le savez, je suis toujours très franche avec vous, je la reçois en partenariat avec la box Le Boudoir, donc Caroline me l'envoie gratuitement. C'est pas parce que je la reçois gratuitement que je dis que du positif sur les box. Ceux qui me connaissent, vous le savez, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai, si j'ai quelque chose de bien à dire, je le dirai aussi. Voilà, on dit le positif, le négatif, on est d'accord avec Caroline pour faire ça, donc il n'y a aucun souci, vous savez que tous mes partenariats sont toujours francs et sincères, si j'aime je le dis, si je l'aime pas je le dis. Je le refais un petit disclaimer au début de cette vidéo parce que certaines ont dit la semaine dernière, enfin la dernière dans la dernière box, j'ai eu des petits commentaires qui passaient en disant oui forcément c'est forcément bien puisque tu le reçois gratuitement. J'espère que ça va rentrer dans vos petites têtes, non c'est pas parce que je reçois gratuitement que c'est forcément bien, s'il y a des choses mal à dire je le dirai tout simplement. Donc cette box elle est créée par Caroline de la chaîne Caroline R, je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos et le lien vers le site de la box. Donc c'est une box, on peut l'appeler une box haut de gamme, une box qui est à 49,90 je crois, un truc dans ça, mais je vous remettrai tout à la fin avec le prix des trucs et tout et tout et tout. Donc voilà, la luminosité peut-être pas forcément terrible aujourd'hui, je vais expérimenter un nouveau logiciel de montage, donc soyez indulgents avec moi si le montage est pas tip top, j'essaie de faire au mieux, hein. On va faire, j'expliquerai tout ça dans le prochain vlog, donc le vlog qui va sortir pas mercredi là mais mercredi de la semaine prochaine, je vous explique tout ça en détail, mais je crois que je vous en parle un peu aussi dans le vlog qui sort mercredi, enfin bref, vous verrez tout ça dans les prochains vlogs, je vous expliquerai tout ça en détail, c'est toute une question de logistique, de nouveaux PC et tout, c'est un peu compliqué, bref, c'est pas grave. Allez, on y va. La box Le Boudoir du mois d'octobre. Donc l'intérieur se présente comme ça, comme d'habitude. On va prendre le petit flyer et à l'intérieur, vous avez toujours le petit papier de soie, le petit logo, Le Boudoir. Alors, c'est mignon. Ça, c'est une citrouille, hein. C'est beau, regardez. J'aime beaucoup l'image. Et ce mois-ci, c'est l'éveil des sens. Ah, l'éveil des sens. Ah non, c'est la box de novembre. Ben moi, on est en novembre, pourquoi j'ai dit octobre? Donc c'est novembre, on efface tout ce que je vous ai dit octobre avant, c'est novembre. Je sais plus quel mois je vis. Alors novembre, allez c'est parti mon kiki. C'est pas évident cette histoire là, attendez j'arrive. Voilà, vous n'allez pas la voir mais j'ai pris une chaise pour la mettre à côté de moi. Au moins je peux ouvrir. Alors, premier produit que je retire. Ouh là 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 là. C'est de la marque Maison Maxime, mais c'est pas à Amiens ça. Eh mais c'est de chez moi ça, Caroline, artisan baie de Somme, c'est de chez moi ça. Et je connais la Maison Maxime, ils font de très très bons chocolats. Donc Maison Maxime, c'est une maison qui a été créée en baie de Somme. Vous pouvez les retrouver à Bayeux, Dieppe, Étalonde, Fécamp, Honfleur, Le Crotoy, Rouen-Mers-les-Bains, Ouistreham, Saint-Valery-sur-Somme, Voincourt et Etretat. Donc ça c'est de chez moi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est des petits sachets Nucleis noisettes. Donc, je pense que c'est des petits... vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Alors, attendez, on va regarder sur le petit truc, sur le flyer. Maison Maxime Nucleus, prix public 7,60 €. Ce sont des noisettes au chocolat enrobées de caramel et de chocolat noir. Maison Maxime, c'est l'histoire d'une entreprise artisanale qui a vu le jour en 2015 sur le littoral de la Picardie-Maritime, sur un tracé invisible entre deux régions, les Hauts-de-France et la Normandie. Et oui, ils font des trucs chez Maison Maxime. Moi, si vous allez chez Maison Maxime, je vous conseille à tout prix leurs pâtes de fruits. Leurs pâtes de fruits sont juste... c'est juste du bonheur. Bon, allez, je goûte. Hein. Je vais prendre chocolat noir. Hop, petite boule. Bon, à l'intérieur, vous avez une noisette. Mais écoutez, c'est très très bon. Bon, j'en ai profité pour changer la batterie le temps que je finissais ma noisette. C'est franchement super bon. Ensuite, je retire un tout petit paquet marqué Désinvolte. Donc c'est un petit paquet en suédine comme ça. C'est écrit, je sais pas si vous allez le voir, Désinvolte sur le bas. Donc je suppose que c'est le bijou. C'est très mignon, très bien présenté. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des petites créoles qui sont trop 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 mignonnes. Alors, techniquement parlant, ça c'est pas quelque chose que moi je porterais, par contre ma maman oui. Donc ça, ça va aller à ma maman. Ça c'est pour moi, c'est trop petit, c'est pas quelque chose que j'aime, mais c'est vachement mignon. Franchement, regardez, j'essaie de vous montrer ça. Ce sont des toutes petites créoles comme ça avec une petite pierre.
C'est tout mignon, c'est tout léger, c'est tout délicat. Je pense que porter à l'oreille, bon là avec mes grosses créoles vous n'allez pas voir grand chose, mais je pense que porter à l'oreille ça peut être très 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 mignon. Mais c'est pas pour moi, clairement c'est pas mon trip de porter ce style de bijoux. C'est trop fin, c'est trop délicat, c'est pas moi, hein, vous l'avez compris. Les grosses créoles c'est mon truc, les petites non. Alors désinvolte, boucle d'oreille Seychelles, ah oui la petite pierre bleue comme ça, 40 €. Boucle d'oreille en goldfield et pierre semi-précieuse en labradorite, diamètre de la boucle 15 mm. Le goldfield est la forme de dorure la plus épaisse après l'or massif. Le goldfield est hypoallergénique, sans plomb et sans nickel. Ce bijou a été imaginé dans un atelier parisien. Ok, bah ça ce sera pour ma maman, elle va être trop contente. Ensuite, je retire un produit de la marque La Chaînée Paris. C'est un soin anti-âge à l'extrait végétal de chêne, brevet déposé. Soin lissant yeux, ride et poche. Bah écoutez, c'est très bien parce que vous savez que j'utilise beaucoup de produits de la marque Pulpe de Vie. Et depuis quelques temps, j'ai un bout de noisette dans les dents. Mon contour des yeux, je le trouve plus. Il est plus disponible sur le site et ça m'embête un peu. Et je vois que là, c'est un soin lissant yeux ride et poche. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc la marque Le Chêne, c'est quoi? Attendez, je vais regarder sur le petit papier. Soin lissant yeux ride et poche, prix public 42 €. Un soin spécialement formulé pour traiter efficacement et en toute sécurité la zone du contour de l'œil peut s'utiliser sur la ride du lion. Dès la première application, un effet lissant et anti-âge. Après 28 jours, 35% de réduction du volume des poches. Le contour de l'œil est visiblement défatigué comme lifté. Les scientifiques La Chaînée ont mis au point pour la première fois un brevet en 2015. Breveté en 2015 un extrait de chêne aux puissantes propriétés anti-âge et s'est fabriqué en France. Et ça vient de où ça? Paris à première vue, Charlois Cosmétique à Paris, mettre. Attendez, on va regarder. Comme je vais l'utiliser, je vais l'ouvrir et je vais regarder un petit peu comment il se présente. Chose que je fais pas toujours quand je veux pas garder les produits. Hein, parce que bon, voilà. C'est un produit qui se présente, hop, comme ça. Ah, il y a un petit embout en métal, en fait, qui permet de... De toute façon, il faut toujours tester les produits avant. Oh, c'est bien en plus, l'embout est froid. Ça permet de vraiment bien appliquer. Ça, c'est cool. Ah, ça paraît assez cool, ça. Ça n'a pas d'odeur particulière, donc ça, c'est encore mieux. Non, mais écoutez, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Je vous en parlerai, parce que je vais l'utiliser. Donc, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Avec les produits que j'utilise, etc., etc. Ensuite, je vois que j'ai deux petits flyers pour désinvolte. On va les laisser de côté. Et le dernier article dans cette box, il se présente comme ça. Donc c'est enveloppé dans un papier de soie avec un petit M. Qu'est-ce que c'est? C'est un carnet et c'est écrit « Pensez dessus à imaginer et façonner à Lille, Maison Cérès ». Donc c'est juste un petit carnet en fait, il est magnifique ce carnet. Regardez. Vous voyez, c'est un peu Bordeaux. Alors, je suis désolée, la luminosité n'est pas terrible. C'est écrit « Pensez ici ». Derrière, vous avez « Maison Cérès ». Il est beau. Il y a des pages un petit peu jaunies et tout. Donc, pour écrire des petites choses, c'est plutôt sympa. Donc, « Maison Cérès », carnet de notes Léon en vert ou rose pâle. Oui, c'est un rose pâle un peu prune, quoi. Un soin spécialement... Non, du tout. Excusez-moi. Je reprenais sur La Chaînée. C'est le carnet de notes et de souvenirs, celui qu'on a toujours sur soi pour écrire, dessiner, noter, se confier ou rêver. Le carnet est fabriqué dans le nord de la France avec du papier à base de résidus de fruits. Aucun arbre n'a été abattu lors du processus de fabrication. Ben, c'est encore mieux. Prix public 9 €. J'aime bien ces petits carnets là qui sont propres, on va dire. Vous voyez, qui permettent de pas abîmer les choses et enfin voilà, de faire les choses bien. Donc si on récapitule, dans cette box on a les très jolies boucles d'oreilles de la marque Désinvolte, on a le soin lissant aux yeux de la marque La Chaînée, on a le carnet Maison Cérès et les petites gourmandises de chez Maison Maxime. Donc on a 4 produits dans cette box. Si je devais choisir, ce qui me plaît le moins d'avoir reçu, c'est le carnet, parce que voilà, mais j'en utilise donc ce sera toujours utilisé. Et ce qui me plaît le plus d'avoir reçu, c'est le contour des yeux, parce que j'en avais franchement besoin d'un. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, il n'y a vraiment aucune odeur. Hein. Vraiment aucune odeur.
Donc bah écoutez, je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Je vais essayer, voir ce que ça donne, si ça marche sur moi ou pas, si voilà, si ces choses là. Mais je vous mets tout de suite le prix de la box et le prix total des produits dans cette box. En attendant, merci Caroline de me faire confiance à chaque fois pour ces vidéos. J'adore recevoir cette box. J'ai toujours, vous savez que depuis le début de la box, moi je l'avais toujours commandée parce que je l'adorais. Après, suite à l'augmentation, j'ai arrêté et Caroline m'a proposé de me l'envoyer gratuitement. Donc je trouve ça, c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir l'avoir gratuitement, j'en suis totalement consciente. Dites-moi ce que vous avez préféré dans la box, si c'est les petites gourmandises, les petits bijoux, les petites choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très très bientôt.